c'est à tous ses amis, Somme 17, comment allez-vous? Moi, ça va nickel. Cool étude. On se retrouve aujourd'hui avec. On va trop vivre, bonjour à tous. Aujourd'hui pour. On remonte le temps sur. PES. Eh oui, petit Pro Evolution Soccer aujourd'hui. Oui, je sais que les serveurs de PES sont morts, je suis au courant. Donc on est sur la dernière version de Xbox 360, c'est ça? Non. Non? Eh non, c'est PES 2018 le dernier. Et on ne l'a pas? Eh non. Oh. Il est resté très longtemps dans le Micromania près de chez nous, dans notre centre commercial près de chez nous, à 15€. Voilà. Vous comprenez pourquoi on ne l'a pas pris, même pour un PES qui... Les PES sont un tout petit peu plus chers que les FIFA, c'est ce que je trouve assez étonnant au final. Tu vois, je n'avais pas percuté, donc on sait ce qu'on a trouvé. Bah oui, un petit PES 2018. Donc, pendant ces vacances, on va essayer d'aller faire quelques magasins, un peu loin de chez nous. Oui. Les mecs qui sont quand même un peu tarés en vacances, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les magasins de cash. Oui, j'avoue. Donc voilà, pour rappel, on avait fait PES 2016, PES 2015, PES 2008, PES 6 et PES 5. Donc on n'avait fait que 5 PES. On a trouvé très récemment, l'été dernier, PES 2017 et un autre qu'on vous fera peut-être en vidéo. Mais voilà, là on va faire PES 2017, donc c'est l'avant-dernier. Mais... l'antépénultième, c'est PES 2016. Du coup, c'est le pénultième. Oui, c'est le pénultième. PES sur Xbox 360. Quand il y a faute dans la surface, il n'y a pas pénultième. Ouais. Donc, le premier PES où Konami a eu la licence ultime du FC Barcelone, à savoir ils avaient une licence... exclusive, FIFA pouvait quand même utiliser le FC Barcelone, mais notamment il n'y avait plus le Camp Nou dans FIFA. D'accord. Et ouais. Par contre, on a les équipes de la Copa Libertadores là ou quoi? Non, il n'y a plus la Copa Libertadores. Là, pour qu'on voit Boca Juniors sur le côté. Où est-ce que tu vois? Là, regarde à droite là. Ah oui, bah, parce qu'ils avaient. Ils avaient les droits, mais il y a plus... on a la FC Champions League. Oui, il y a la Champions League, l'Europa League, la FC Champions League. Et puis après, bon, il y a différents trucs plus ou moins intéressants, mais il n'y avait plus la Copa Libertadores ni la Sudamérica. Allez, fais-nous voir un peu tout ce qu'on a quand même. Ouais, dans ce PES 2017. Donc on peut faire, bah, bien sûr, partie rapide, hein, tout ça, faire du jeu en ligne. Les compétitions, donc on peut lancer une Champions League, une Europa League, une AFC Champions League, faire une petite compétition en ligne. Les ligues, ça c'est donc faire les championnats qui existent. Voilà, de toute façon on montrera les championnats qu'il y a lorsqu'on choisira les équipes, lorsqu'on fera un petit tour des équipes. Et puis les coupes, c'est pour faire tout ce qui est Coupe d'Europe. International, donc une fausse Coupe du Monde, un faux Euro, une fausse Copa América, une fausse Gold Cup, une fausse Cannes. T'as déjà fait une AFC Champions League? Non, j'ai jamais fait d'AFC Champions League. T'as déjà fait une Sud-América, j'ai déjà fait une Sud-América. T'as déjà fait une Sud-América? Ah, oui. T'as déjà fait une Ligue des Champions, bien sûr, sur PES 2016. Non, PES 2015. 2015. Tous les effets sur PES 2015. J'ai rien fait sur PES 2016. Donc voilà. Donc le mode My Club, hein, c'est l'équivalent de FUT, mais encore plus pay to win. Je pensais pas que c'était possible, mais si. La Ligue des Masters, bon, ça c'est la carrière manager et vers une légende, c'est la carrière joueur, la mode vers une légende qui est d'ailleurs beaucoup mieux foutu, je trouve, que le mode carrière joueur de FIFA. Voilà. Alors pas sur eFootball, hein, parce que déjà il n'y en a pas, et eFootball, n'y jouez pas, hein, ne jouez pas FIFA 22 non plus, mais voilà. Et puis donc là on peut avoir entraînement, modifier, faire des mises à jour, qu'on peut plus télécharger du coup vu que les serveurs sont down, mais voilà. Allez, on rappelle notre match quand même. Oui, tu prends là. Attendez, pardon. Je prends la France. Oui, et je prends le Brésil. Eh oui.
Alors, vive les temps de chargement de PES qui sont infiniment longs, c'est horrible. Et la pauvre Xbox, elle rame un peu là. Non, mais ça vient des PES, le PES c'est très très lent. Le bruit qu'elle nous a fait au lancement tout à l'heure, on a très peur. Hein. Allez, vas-y. Une fausse première ligue avec 2-3 clubs sous licence, Liverpool, Arsenal. Même plus Manchester United, je sais qu'à une époque ils avaient Manchester United. Donc il y a qu'Arsenal et Liverpool là, ils sont sous licence. Là, le London FC, ça doit être Tottenham. Non, West Ham, je pense. Waouh, Tottenham. Ou Chelsea, peut-être. Voilà, après là il y avait Man Red et Man Blue, ça c'est Manchester, les deux clubs de Manchester. Bon, allez, passe-nous ça là, on va rien à East London, ouais, bon voilà. Ouais, deuxième division anglaise, bon, aucun club sous licence, je vois même pas pourquoi ils l'ont mis, ça ne sert à rien si tu n'as aucun club sous licence. Le South Wales. Ça c'est Derby County, je pense, Derbyshire. Derbyshire. Ouais. La Ligue 1 sous licence avec Caen, Bastia, Guingamp. Et donc, c'était il y a que 6 ans et on a l'impression que c'est déjà. Nancy. Il y a que 5 ans, on a l'impression que c'est au siècle dernier le changement de club qu'il y a eu depuis. Hein. Ligue 2, Ajaccio, Bourg-en-Bresse, le Clermont Foot, le Gazélec, Laval, le Havre, Nîmes, le Chamois-Niortais, Orléans, le Red Star, Sochaux, Tours, Strasbourg en Ligue 2. Le champion italien qui est sous licence, ouais, l'Atalanta, Fiorentina. Non, il n'y a pas la Juve, ouais. C'est le même. Palerme, si. Non, il n'y a pas la Juve, bien vu. Reviens, elle est là. Black and White. Ah ouais, bien vu. Piemonte Black and White. Aucun vrai club en série B. Comment on peut faire ce genre de choses? Je sais pas. L'Eredivisie, qui elle est sous licence, la Dodenhague, l'Ajax. Feyenoord, la Zalkmaar. Pardon, le championnat espagnol qui n'a que le FC Barcelone. Bah non, il y a l'Atlético. Ah oui, non, l'Atlético, oui, je l'ai pas vu. Ah oui, bien vu. Il doit peut-être bien y avoir le Real aussi. Eh non, même pas. Eh non. Oh là là, le nom d'équipe, ça fait peur. Hein. Deuxième division espagnole, bon, il n'y a aucun club. Hein. Non. Voilà. Oh là là là. Le championnat portugais. Benfica est sous licence. Le Sporting. Ouais. C'est tout, même pas Porto. Championnat, ça c'est tous les clubs de reste du monde. Qui sont même pas sous licence, j'ai l'impression. Et tu fais une Ligue des Champions avec qui là dans cette histoire? J'avoue que. Ah si, non, enlève là les équipes de reste du monde. Club de Bruges. Le Borussia, et oui, il n'y a pas la Ligue allemande. Hein. Ouais. Donc regardez, là, il y a les Leverkusen. Est-ce qu'il y a le Bayern? Il n'y a pas le Bayern. C'est quoi ces clubs-là qu'ils vont voir? Même pas que des vrais clubs, c'est CSKA. Oh là 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 là. Oh, la première année du championnat brésilien sous licence officielle pour PES. Qu'ils ont d'ailleurs toujours sous licence depuis... Bon, ça doit cartonner chez eux, mais pas chez nous. Mec... L'Atlético Paranaense, Botafogo. Pensez pour Chapecoense. C'est l'année du drame, je crois bien. Oui, de 2016, oui, ça doit être ça. Coritiba, Corinthians, pour ceux qui ne connaissent pas le drame de Chape, c'est une des histoires les plus tragiques du football moderne. Un crash d'avion. Grêmio, Porto Alegre, Palmeiras, Santos, Sao Paulo. Le Sporting de Recife, le championnat argentin qui semble être sous licence, Arsenal. L'Atlético Tucumán, oui, Banfield, oui. C'est sous licence. Estudiantes de la Plata, c'est le Gymnasia La Plata, c'est un vrai club, il y aura quelqu'un. Si, regarde, tu vois, c'est sous licence. Les Newell's Old Boys, Lanus. Le Racing, River Plate, Rosario, pour le club de Lanus, je vais me faire censurer par YouTube. Le championnat chilien qui. Il doit être sous licence aussi. Ouais, Colo-Colo, ouais, ça a l'air. Ouais. Colo-Colo. Championnat du plat. C'est quoi le plat? Cocu, bon, les autres pays d'Amérique latine, le Red Bull Brasil, je ne savais pas que ça existait, le Red Bull Brasil. Non plus, mais c'est possible. Oula, par contre, c'est que des clubs complètement faux. Il n'y a même pas le FC Barcelone SC. Non, même pas. Allez, c'est Champions League. Sydney, Melbourne, Guangzhou,
Le Shanghai Port Club, le FC Tokyo, Osaka, Al Ahly et Al Hilal, Riyad et Jeddah, un autre club de Jeddah tiens ici, Al Nasser, Séoul, les Jeonbuk, Jeonbuk Motors, Al Ain. Voilà. Ouais, ouais, y a tout le monde. Ouais, le championnat du PASS. C'est quoi, Pakistan? Non, c'est rien du tout. C'est censé être l'Afrique, je pense. Ah, non, l'Asie, non. Ouais, non, mais je sais pas. Non, mais je suis même plus. C'est pas un vrai championnat, je pense pas. Et puis, donc, les sélections nationales des équipes classiques qui n'ont aucun intérêt. Alors, on va faire un petit tour des équipes en Europe, Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Croatie, République Tchèque. C'est classé sous le nom anglais, hein. C'est pour ça que la République Tchèque se retrouve derrière la Croatie, je tiens à le préciser. Tchèque République en anglais. Danemark, Angleterre, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Irlande du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Écosse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Pays de Galles. Ah, en Afrique, l'Algérie, le Burkina Faso. Faut qu'on fasse une canne. Cameroun, non, je sais qu'il y a un mode canne pour FIFA 22 qui est disponible. Ah bon? Ouais. Enfin, il y a un mode avec d'expansion des équipes internationales de FIFA 22. Ah. Avec pas mal d'équipes africaines, justement, qui manquent. Payant? Gratuit. Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guinée, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie et Zambie. Je fais une canne avec la Zambie, c'est officiel. Un jour. Alors, l'Amérique du Nord, la Centrale, Costa Rica, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama et États-Unis. Là, c'est faible. Hein. En même temps, ouais. Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela. Ils sont tous là. Asie, Océanie, Australie, Chine, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Corée du Nord. Je savais même pas que c'était dedans. Attends, est-ce qu'il y a Kim Jong-un, s'il te plaît, juste. Je veux juste voir s'il y a Kim Jong-un dans l'équipe. Appuie sur A pour choisir juste une équipe, voir s'il y a toujours. Parce que sur Coupe du Monde 2010, il y a un joueur qui s'appelle Kim Jong-un. Non, il y a pas. Ouais, non. Genre, mais c'est, je pense que c'est même pas des vrais joueurs. Hein. Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Thaïlande, Émirats Arabes Unis, Ouzbékistan et Nouvelle-Zélande. Et bah, il y a de l'équipe. Hein. Il faudrait faire un truc, on joue avec toutes les équipes possibles qui ont été dans les jeux de foot. Toutes les équipes cheloues, tous les pays chelous, ouais. Allez, France, du coup, je te laisse aller prendre le Brasil. Alors, est-ce que les deux équipes seront leurs maillots sous licence? On a les bons joueurs déjà. Oui, ben, je sais pas pourquoi il n'y aurait pas les bons joueurs. Alors, le Stade, on va jouer... Attends, on fait un petit tour. Ah, tiens, tu peux jouer à Giuseppe Meazza et à San Siro. San Jacob Arc, le Morumbi, El Monumental, le Saitama, et après c'est des faux stades. Donc on peut peut-être jouer chez toi au Morumbi. Oh, ouais, si tu veux. Allez, tiens. Ça a l'air d'être top comme stade avec 15 km. Ah, bah, c'est un stade à. Des spectateurs avec du sud. Et t'as du gazon. Ouais, sec en Amérique du Sud. Ouais. Ça va rebondir. On n'a pas le choix de ballon. Tu strike pas les commentateurs? Si, mais attends. Option générale. Y'a pas de choix de ballon. Le temps du jeu, 10 minutes, c'est. Oui, c'est le temps normal. C'est. D'accord. C'est temps de jeu, le temps du match. Plan de jeu. Alors, non, ça on a dit qu'on irait voir après FB. Voilà. Alors, maillot. Bon, du coup, on va jouer en blanc et en bleu et en jaune. Voilà, le maillot bleu qui est pas ouf et le maillot blanc qui est très beau de l'équipe de France de mémoire. Ouais, c'est très beau aussi. Mais on va rester classique. L'Euro 2016, pardon. Oui, il peut pas. Bon, tant pis, on straquera les commentateurs une fois arrivé dans le match. Type de ballon, ouais, non, je peux pas choisir le ballon. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, plan de jeu. Alors, au goal, pour ma part, nous avons Hugo Lloris, Laurent Koscielny et Adil Rami en défense centrale. On va pas aller gagner une Coupe du Monde avec ça, je vous dis. Bakary Sagna et Patrice Evra, cette défense fait tout sauf envie. Koscielny aurait quand même mérité de
de faire partie de cette équipe de France, hein, championne du monde. Kanté, Matuidi et Pogba au milieu de terrain, en gros c'est le milieu de terrain qu'on a eu à la Coupe du Monde. Et ensuite Griezmann, Giroud et Dimitri Payet. Celui qui fait le plus mal dans nos soins universitaires. Kostil Mandanda. Kostil qui a mis comme gardien au-dessus de Mandanda, c'est étonnant. Ouais, mais il a pas. Ouais, mais regardez, il a 80 ans. Ouais, ouais, oui, non, mais dans l'ordre, ça veut dire. Et puis Mangala qui a signé ça. Mangala, Umtiti, Jalé, le divin chauve, Lucas Digne, Schneider. Schneiderlin. Schneiderlin, oui, c'est pas écrit en entier, pardon. Kabay, Moussa Sissoko et Kingsley Coman qui étaient déjà là. André Pierre Gignac et Anthony Martial. En fait, c'est l'équipe de l'Euro 2016. De l'Euro 2016, hein, oui, basiquement. Bon, je vais rester comme ça. Écoute. Alors, moi ça donne quoi? Ça donne. Un très très jeune Alisson. Alisson, Dani Alves, Joao Miranda. Il n'y a même pas Thiago Silva? Mais non. Non. Ça doit être l'équipe de la Copa América, je pense. Je sais pas. Luis Gustavo, qui est à Marseille après. William. Fernandinho. Renato. Augusto. Ouais, Douglas Costa. Et Neymar. Le banc Diego Alves. Marquinhos. Caca, il y a Marquinhos, oui. Oscar. Danilo, Marcelo. Elias, Caca, Oscar, Lucas Lima. Hulk et... Oh, par pitié, pas Hulk. Ouais, je vais me tenter un petit... Un petit Philippe, non, un petit Hulk. Un petit quoi? Pourquoi il veut pas aller sur le côté? Je vais me tenter un Coutinho à la place de... Coutinho à la place de... Il est très faible, Douglas Costa. Attends, je vais changer de tactique plutôt. Voilà, ouais, c'est lui que je vais remplacer. Voilà. Ok. Et bah, nous pouvons y aller. Appuie sur B. Et coup d'envoi, c'est parti après 1h30 de blabla comme d'habitude. Je me souviens plus des touches. Alors, passe, centre, tir et accélérer. Bah, c'est là, c'est là. Ouais. C'est pas la... Ça pour tacle de coup, ça de pour tacle glisser. Échange de joueur. D'accord, ok. Faut que je me plante. Alors, ouais, attends, c'est... passe, tir. Ouais. Centre. D'accord. Et Y, c'est quoi? Non, rien. Bah quoi, ça sert qu'il y a 4 boutons sur la manette. Ah rien, je sais plus, ça rien. Attention. Avec un peu de chance, peut-être que eFootball va enfin fonctionner avec OBS et qu'ils vont nous autoriser à... Et que... va arrêter de bugger, quoi. Peut-être pouvoir se faire un petit listener sur eFootball 2022. Bah, on l'attend depuis un moment. Ouais, bah, il n'y a pas l'équipe de France ni le Brésil, donc bon... Ce sera un faux Son versus Dad. Qu'est-ce qu'il commentait? Grégoire Margoton et Darren Tulette. Ouais. Oh, allez, c'est parti, c'est sommaire comme présentation, pas d'hymne, rien, ça ne change pas de d'habitude. Réglage du son. Volume des commentateurs. Petite question, on peut pas avoir une vision un peu plus proche? On peut, oui, c'est possible, hein. Réglage caméra. Ah voilà. Format TV. Ouais, je préfère. Allez, c'est parti, ça fait des millions d'années que j'ai pas joué à PES à peu près. Le dernier PES auquel j'ai joué, bah, c'était eFootball. Oula. Donc voilà. Là, j'ai confondu une ligne droite. Ouais, mais un truc qui a beaucoup eu PES. Quoi? C'est pour moi? Un truc qui a beaucoup eu PES malheureusement, c'est que les trajectoires restaient très rectilignes quand tu courais. Bon, c'était une petite frappe comme ça, vraiment, pour dire. Donc, le Morumbi, stade de Sao Paulo, bien sûr. C'est la première fois que je vois dans un jeu vidéo. Le Morumbi, oui, bah, c'est une exclusivité de PES, hein, puisqu'ils ont le championnat brésilien. Ouais, le Morumbi, on y avait joué sur PES 2016, je crois bien, au Morumbi. Hein. Ça commence un peu... Oui, mais je me souviens pas de toutes les vidéos qu'on a fait. Hein. Oui, oui, non, mais... Alors, ce système de corner qui est très chelou, j'ai jamais compris comment il marchait. Ce système de coup de pied arrêté de PES. Oh popo, oh popo. Oui. Oui, il y a faute là. Payet. Ça commence.
La révélation de l'Euro 2016 en Dimitri Payet. Ouah, pénalty. Y'a rien. Pénalty. Eh oui, logique, logique. Pas logique du tout, j'ai rien fait. Il s'est pris les pieds dans mon joueur. Ah bah on va revoir ça au ralenti. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va mettre le pied là? Miranda. Y'a rien. Oh ah non, là, il a pas pénalty, yes. Merci monsieur l'arbitre. Oh, trop sur le gardien, il était pas trop mal tiré pourtant, dommage. Oh là là, c'est quoi là? J'ai du mal sur les relances. Ouf. Giroud. Les PES que je trouve quand même beaucoup plus réalistes que les FIFA là, bah, pour il, la même. Il est beau celui-là, hein. Il est vraiment. Ah oui d'accord, ça change de point de vue. C'est peut-être pas le mieux en réglage, j'ai une caméra. Oui, oui, oui. Ouf. Bah ça évite après que ce soit dégueulasse. Ouf. Quand on joue dans le fond. J'ai tenté une frappe. Tu me rappelles c'est quoi le slogan de PES? Je sais pas. Merci. Wow. Wow, papa, j'ai tenté le petit intérieur du pied. C'est The Pitch is ours, Le PES. Le terrain est à nous. Oui, le terrain est à nous. Merci, Lioré, ça fait longtemps qu'il m'avait pas fait pareil. Mais non, quand même pas. Je suis peut-être stupide, mais pas à ce point. Même si je suis l'un des. Ah, stupides. Voilà. Wow, papa. Merci, tu n'attaques pas ta balle. Ouais, si, est-ce qu'il faut. La physique du jeu est pas la même que. Ah, bah bien sûr, hein. Ouais, allez, on accélère. La balle et les joueurs sont plus lourds hein, que sur FIFA, je trouve. Ouais, y'a rien, mais j'en ai marre, moi je me suis bousculé à chaque fois. Oh non, le 1-2 favorable là. Ah, ta défense est quand même bien celle-là, par contre, au centre, hein. Oh, oh non mais. Pourquoi il la prend pas là? Ah merci, corner. Bon j'ai fait deux frappes, je sais pas si je vais beaucoup revoir ton but. T'es pas en jeu là? Non. Je pense que je suis couvert. Ouais. Tu es couvert. Alors pareil ce temps de chargement là entre les transitions. Qui est juste insupportable. Ah, Giroud hein, qui doit être notre meilleur buteur. Faudrait que je reprenne mon petit calcul de meilleur buteur. Oh, il y a quoi là? Il a mis la main dessus là. Les dernières stats datent bien un petit moment. Oh non, mais c'est pas là que je veux la faire. Mais Adil, le moustachu de l'équipe de France. Oh là là, Griezmann il a de la vitesse. Par contre, il fait du caca. C'est peu de le dire hein, face à l'équipe du Brésil. Oh non, mais pourquoi mes joueurs ne prennent pas la balle? Oh, oh bien joué. Rami. Allez, on va essayer de construire un peu. Oh là là, mon joueur qui sort n'importe comment. Oh, mais il a tous les contrôles favorables, ça m'énerve ça. Ah. Oh, ah non, Olivier! Il a laissé passer le ballon, il est sympa. Oh non, mais j'en sors pas un ballon! Ah! J'aurais dû la garder, je m'en suis rendu compte trop tard. Bien! J'ai tellement voulu faire les passes que ouais. Ça, j'ai tenu le, en mémoire. Toutes les touches. Ouais. Oula, bien. Oh, merci! Wouah! Qui a loupé la balle. Voilà. Ah, mais la physique du jeu est extraordinaire. Je lui demande de partir dans l'autre sens. Il me fait un contrôle dans ce sens. Et dis-toi que c'est que PES, on sait pas encore e-football. Alors, si graphiquement il est sympa, il est quand même balèze à jouer. Ah bah. Ouh, il était beau ce corner. Encore une fois, c'est ce que je dis. C'est... Oula, je sais pas qui nous a fait ça, mais il l'a fait. Attaque ta balle. Ah, dommage. Oh. Entre les jambes, j'ai l'impression que c'est passé. Oh non, mais. Ils attaquent pas les ballons, ils les laissent passer, c'est affreux. Le jeu sur l'aile qui marche vachement moins bien que sur FIFA, hein, sur PES. Bon, je la touche. Ah. Allez, touche-toi, Alisson. Oula. Oula, bien joué. Il y a eu du petit bois.
me jette beaucoup là, qu'attention quand même. Ouf, voilà. Il y a l'avantage. Corner. Ouais. Ah. Oui, Laurent. Donc t'as rien à dire là, tu. T'es en retard. Ouf. Bon, après mon joueur ne fait rien pour l'éviter. Oui. On sent que c'est le mec qui cherchait le corner. Ouais, ouais. Là, la faute, la faute. Comment je regarde B. C'est avec en fait ça et B. D'accord, mais moi j'ai pas le droit à la flèche, moi. Si, mais si, mais c'est juste que. Tu n'as pas le droit à la flèche. Bon, je sais pas. Ouf. Il a attendu 15 ans avant de. Ouh. Oh, oh oui. Oh, c'est pas possible. J'étais plus dur de la mettre là qu'ailleurs, il l'a mis là. Oh là là, lui, merci pour la passe au départ. Et hop là. Quelle belle balle enroulée. Je crois que j'aurais tapé tout droit, c'était pareil. Ça allait au fond. J'ai perdu fan de bateau là. Tellement il rigole. C'est pas beau de se moquer. Je me moque. T'as fait la passe plus vite, Giroud, t'as deux temps. Oh là là, il arrête pas de faire des fautes. Faute pour toi. Hein. Regarde la belle intervention de Dani Alves et bon. Dani Alves qui a fait un AVC là, je pense, quelques instants. Vu comment son mot est parti en 11 steak. Ouais. Vas-y. J'ai eu très peur. Allez, un carton là. Bakary Sagnac qui est devenu vendeur de kebab dans un centre commercial. Ils prend pas le carton, Neymar. Ça, c'est bien parce que c'est Neymar, ça. Ouais. Et par contre, quand il pleurera parce qu'il s'est blessé le 184e métatarse qui se trouve entre l'oreille gauche et le gros orteil du pied droit. Est-ce qu'il va rejouer pour ce. Ah bah bien. Oh bien. Ah non, faute, ok. Je me demandais ce qu'il attendait là pour jouer. T'aurais pu le tirer plus vite, hein. Je vais essayer. Allez, ça dégage. Ouh, bien pris. Allez, vers Paul Pogba. 2 minutes de temps additionnel. Bon, ça c'est dégagé. Ouais. Oh là là. C'est pas du grand football. Non. La caméra qui me gêne un peu, alors faut dire ce qu'il est. Wouah, je pensais même pas que ça allait réussir, je pensais que ça allait juste aller en touche. Ouf. Bah, et hop. Mi-temps. 0-0. Ah, il faut peut-être revenir à la faute quand même un peu là. C'est du découpage. Gratuit. Après, on comprend que Neymar se soit blessé, hein, mais c'est logique. Mm-hmm. 55-45, 7 tirs à 5. Oh. Ouais, 4 cadrés à 1 par contre. Équilibré, hein. Équilibré. T'as plus la balle, mais je sors plutôt mieux les ballons que toi. Au niveau des passes. Ouais, j'ai fait beaucoup de passes dans le vide, moi. Oui. Ouais, t'as un poil au-dessus. Mais pas d'occasion nette, hein, des deux côtés. Ah. Si toi t'as grossi, il y a eu une occasion nette. Sur tes passes. Pas de changement ? Non. Allez, deuxième mi-temps. Essayez d'arriver au bout. Déjà ça. Tir au but. N'oublie jamais ça, Rétro, les tirs au but. Oh. On oublie que les tirs au but sont toujours possibles dans un. On remonte le temps. Surtout sur PES. Hein. Oula. Je me jette beaucoup au sol. Oh non, l'autre il fait la peine mais il lui donne trop tard. Allez, monte dessus. Oui, ah, pas bon. Mais t'es en train de m'énerver là, c'est pas complètement pourri. Ah mais non, mais c'est des poulets sans tête les joueurs. Ouais, l'autre il est sur les ailes. Allez, monte dessus, allez. Oh non, mais il fait la tête vers le but, c'est pas possible ça. Ah là 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 là. Oh là là là.
Et c'est une bataille de chiffonnier au milieu de terrain. Bah là, surtout qu'il n'y a que ça. Oh, ah, mais attaque ta balle! Ah, il est loin! Allez, Evra. C'est pas mal joué ça! Ouh. C'est vraiment pas mal joué du tout! Oula, ça revient! Giroud il dansait! Giroud il dansait! Oh non, il se fait contrer! Faute! Ouais, y'a rien du tout là, monsieur l'arbitre! Oh non, y'a rien! Côté. Allez, un grand ballon en profondeur. Allez, mets la pression. Allez. Allez, Nay, allez. Ouf. Ouh là là là. Oui, je sais pas pourquoi je le sens vraiment pas hein, sur, sur ce genre d'action. C'est pas mal emmené ça. Oh non. Oh ah, non oui, oui. Il a une réussite oui, incroyable oui. Ça passe à travers mon joueur. Antoine Griezmann. Je vais revoir ça là parce que comment il est passé Pogba là. Oh mais il fait un grand pont sur mon joueur qui touche pas le ballon. J'aurais dû intervenir là. Pourquoi il a pas tendu la jambe? Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, regarde le grand pont. Hop là, allez. Il fait Griezmann après sur rebond. C'est très quoi très ce but de casquette là? Ça m'énerve. Oh là 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 là, je suis pas sur cette prise de balle. Ouah. Oh, c'est pas mal joué du tout ça. C'est vraiment bien joué. Ouais. Ça y est, j'ai trouvé mes marques. Oh non, on passe en profondeur. Il est pas en jeu là? Si, je pense. On va voir. Oh, oh oui, Olivier Giroud. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est mon Olivier. Il n'y a rien à dire. Même la cassette de caméra, quand même très space. Ouais. Joli hein, contre ouais. La poitrine. C'était pas voulu, hein. L'action parfaite, encore une fois, une défense qui ne monte pas sur lui. Ouais. Oh, y a. Le match d'hier en 5 minutes. Ouais, il reste une grosse vingtaine de minutes hein, avec le temps additionnel. Bon, j'y suis pas là. J'y suis moins dans les contres de balles. Comme première mi-temps où j'étais vraiment ultra précis. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Je me suis pris une leçon de contre là. Ça déroule bien. J'ai des joueurs qui passent à côté là à chaque fois là. Hop, David Luiz, on sait pas où il va. Là, hop, je laisse le frapper. Ça fait longtemps que j'avais pas rigolé sur, comme ça sur un sub versus la FIFA. Hein. Ou PES ou. Oh, allez le cadeau. Ouf. Ouh, belle envolée, c'était pour la photo ça. Oui. Personne. Ah, j'ai pas de joueur là. Oh là 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 là, je passe à travers. Dommage. Tiens, on va faire un petit changement pour qu'on voit les changements. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est là-dedans. Un petit Umtiti à la place de Koscielny, tiens. Allez, on va voir Samuel, qu'on ne voit plus du tout. Samuel Umtiti.
Oula, il y en a un, il fait comme s'il s'était pris un ankle breaker au basket. Corner. Ça me vient cette caméra parce que du coup ça change toutes les touches au niveau du pas, bah, on voit pas les changements. Pourquoi moi j'ai pas le droit à la flèche moi. Attends, il y a peut-être un truc à paramétrer. Bon, non, bah, même pas. Je sais pas. Ouh oh 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 oh. Ah oui. Ah oui. Oh, le petit T. Bon coaching. Bon coaching. Merci, petit T. Ah, ce match est grandiose. Ah oui. C'est du grand football. Oh, elle est belle, ma tête. C'est dommage. Là. Il va bien la chercher, Agnès. Ouais. Ah, j'aurais bien voulu voir un autre plan pour voir. Ah, c'est peut-être pas fini. Avec un peu de réussite. Oh là là, je me prends une leçon de football. Ouf. Ouh. Il allait la chercher super haut, Giroud, celle-là. Ouais. Je trouve que c'est plus réaliste sur ce genre de centre, la manière dont les ballons sont pris que sur FIFA. Parce que même le contrôle de la poitrine et la volée tout à l'heure était belle. Hein. Là, regarde, c'est une action typique du foot, ça. Ah non, mais PES, avant qu'il fasse n'importe quoi, surpassait FIFA, selon moi. Au niveau du réalisme. Oh non ! Donne-le tout de suite. Après, il y avait plein de problèmes, hein, PES. Hein, notamment, le truc était super réaliste, mais la jouabilité, du coup, qui était vraiment pas top. Oh là là, mes joueurs qui s'enlèvent. Ouf. Oh, bah bien joué. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait, Neymar, le mec au milieu? Oh non, mais ça veut pas, ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Oh là là, et t'aurais eu un nombre de cons. Ça, c'est bien joué, ça. Oh oui, bah oui, c'est bien joué. N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil. C'est plié. J'ai dû relancer vite pour gagner du temps. Oh la reprise. Oh non, mais t'as une réussite encore. Elle est belle la reprise, hein. Allez, pars, mais pars, Payet, qu'est-ce que t'attends? Oh là là, Payet qui bouge pas. Oh non! C'est Nibla, il fait une passe et puis après il arrête de jouer. Oh non, mais. Oula! J'ai pas un contre favorable! J'avoue que. Regarde, hop! Dernière action. Non, je pense, ouais. Ah. Moi aussi, c'est fini. Allez, Payet. Oh, magnifique! Le doublé d'Antoine Griezmann. Oh là là, cauchemar en deuxième mi-temps. Ah, bien la caméra. C'est pas un bug. Hein. Cauchemar en deuxième mi-temps. J'ai pas une défense qui monte, là. Ils font quoi, là? Les mecs, ils viennent, boum. Ah là, c'est fini! On plie tout victoire 4-1. Ouh, dans un match. Il est sympa de jouer ce petit peu 2017, j'aime bien. Ça mériterait qu'on refasse un autre match, autre chose. Bah, dites-nous, tiens, si vous avez. Si vous voulez qu'on fasse un petit PES 2017 avec des autres équipes, et puis du coup, s'il y avait une proposition de match, bah, n'hésitez pas. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Le premier but de Grisou. On va avoir tout ça, hein. Ouais. Il est venu qu'à la 68ème minute, le premier but. Bah oui. Si t'en prends 4 en 22 minutes. Ouais. Oh, yo.
Et là, Giroud, avec la passe de. Avec le centre de Payet. Celui-là est beau. Un bel extérieur du pied aussi, hein, j'avais pas ouais. Vu. Ouais, j'ai gros de problème de défense, hein, où c'est pas monté du tout sur les joueurs. Ah, là, le contre son camp. Y'a que mes joueurs qui ont marqué au final. Ouais. Ouais, en fait, je fais un centre fort devant le but et puis bouffe. Ah, bien joué Samuel. J'y ai cru, mais pas très longtemps. Ouais. Hein. Kanté avec la passe de Griezmann. Ah, là, beau décalage. Ouais, ouais non, mais il y a. Regarde la réussite qu'il a, mais c'est incroyable. La grosse prise de Kanté est stratosphérique. Il satellise le ballon. Et il a mis tout ce qu'il avait dans le ventre. Ah, oui. Puis alors là. Encore un contre favorable. Un contre favorable. Ouais. Et puis on va avoir le but sur le corner. Ouais, de Grisou. Il coupe bien la trajectoire. Ouais. Tes joueurs sont pas montés sur Griezmann. Non, non, mais. Ils n'ont pas fait grand chose, mes joueurs. Voilà. Les stats 60-40. 20 tirs à 10. 20 tirs à 10. Ah, j'ai. J'ai pas hésité à la limite. Hein. Non, clairement. J'en 4 que 2. Hein. J'en 4 que 2 en plus. Maintenant, 4-1 en deuxième mi-temps. Bah oui. Est-ce que le but c'est celui, bah c'est je pense celui. Pas parce que non, ça. Non, celui Q4, c'est celui l'arrêt du Ouais, ouais, ouais. C'est l'arrêt du Ress. Ah oui, où je suis tout seul et je fais une reprise en pivot qui est pas terrible. Ouais. Bah, et celui sur le corner aussi. Ah bah, il y a deux frappes cadrées alors. Donc, bah, je sais pas laquelle il compte comme cadré, laquelle il compte comme pas cadré. Je sais pas. 23 interceptions à 15, les passes j'ai encore été. Non. Ouais. Ah, je le trouve vraiment sympa celui-là. Ah oui, non, mais PES 2017 est un très très bon PES. Un 7 pour Griezmann, meilleure note. Les notes volent pas haut, hein. Par contre, avec PES, c'est pas FIFA. Hein. Ouais, non, mais les PES de cette époque-là, 2015, 2016, 2017, sont très très sympas à jouer. Alors, à jouer, je sais pas, mais sont très très sympas, sont très réalistes et sont. Il y a quelques moments drôles et puis non, vraiment, ouais, comparé au FIFA de la même époque, sur Xbox, je vous conseille de prendre les PES FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17, c'est vraiment pas des excellents FIFA sur 360, comparé à FIFA. Ça me donne envie de trouver qu'on trouve le 2018. Hein. Le 2018 je sais pas si c'est très très bien vendu sur Xbox. On va partir en quête de ce 2018. Hein. Ouais. Allez, menu principal. Bon bah un petit match sympatoche, hein. Ouais bon, ouais. On a encore pris une, mais sympatoche. Oui oui oui. Bon et bien les amis, j'espère que ce petit vidéo vous aura plu. Si vous avez pu se mettre un gros pouce, ça me fait plaisir. À vous abonner, ça me fait également super plaisir. Et ça nous donne de continuer mon aventure YouTube. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il est dans la description de la vidéo. Grâce au serveur Discord, on pourra discuter ensemble. Je vais peut-être partir avec les abonnés, etc. etc. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitch et sur Facebook. Si tu regardes live, tu vas écouter la suite de la carrière manager FIFA 22 avec le Clermont Foot. C'est tous les mercredis en live sur Twitch et c'est sur Twitch, donc soyez présents. N'hésitez pas non plus à. Oui, non, Facebook, je l'ai dit. Donc sur Facebook, vous serez prévenu sur des vidéos de mes projets quand il y aura des lives et sur l'ensemble de la vidéo en cours. Si on peut sortir aujourd'hui ou non avec du retard, etc. etc. Voilà, enfin bref, moi je vous lis à très bientôt pour une prochaine. Allez, au revoir pour la sortie la plus catastrophique de l'histoire. Je vous mettrai un bonus sur Facebook, c'est obligé. Allez, ciao!